Je n'ai pas de budget. Nous étions une famille soudée. Nous ne pouvons plus nous permettre cette fois-ci de rester dans l'ombre. J'ai envie de te dire que moi non plus. Mais alors fais quelque chose. Depuis mon retour dans cette ville, je vais faire ce que je fais. Ouais. La question, il faut savoir si on est déjà dans l'état de qu'on se barre de cette forêt. Ah ouais. À mon avis, vu l'état, je pense qu'on va rentrer à quatre pattes et on va se perdre. Ça, c'est si on rentre. Hein. Ça, c'est si on rentre. Ouais, parce qu'on a déjà fait très fort des fois. Hein. Oui, c'est sûr. Bah, au pire, on dormira dans la forêt. Et sinon, c'est quoi le programme après la grillade? Je sais pas. On verra quand on sera bourré, on aura bien une bonne idée comme à chaque fois. Là, on ira sortir le beurrer encore plus la gueule, quoi. Oui. On descendra en ville en puant bien le feu, on s'entend bien l'homme. Ah ouais, voilà. Là, on va sentir. Hein. Et chasser. Il y a un sanglier qui passe par là. Oh, un gros sanglier, quoi. Oh. Et une deuxième grillade. La chasse, c'est parti. C'est le dessert. Exactement. On va se faire comme au Obélix, quoi. Oh. On se cache au pain. Au pain, chacun. On prend le dessert, j'ai un petit truc dans le sac, j'avais bien aimé. Comme il avait. Ah, la tequila. Ah, mieux. Ah, la pomme. Ah oui. Faut pas faire le feu par là-bas. Oui. Ouais. Vas-y, c'est une bonne idée. Ok. Mais s'il y a beaucoup d'espace, ça sera plus simple. On peut se choper un os. Ouais. On va aller par les bâtiments. De toute façon, on va être complètement déchets. Donc, on a fait bouger. On va les bouger. La dernière fois, j'ai trouvé un petit site, pas piqué des hannetons là. Je voulais me faire plaisir, j'étais seul à la maison. Je pense que vous connaissez ces petits sites que nous on aime bien. Ah, il y en a des pas trop mal, puis des bien connus en plus. Ouais, ouais. Je vois pas ce que tu veux dire. En plus, maintenant il y a un nouveau truc, c'est Step Sister et Step Brother là. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est genre les parents ils se marient, puis ils ont la mère et un fils, puis la mère, le père il a une fille. Donc les deux après quoi ça bien s'aimer puis ils font des choses ensemble. Oh, oh là là, c'est une escalade quand même. N'importe quoi. L'autre a dit je vais pas te faire ça, mais t'inquiète, je suis ton beau frère, on n'aime pas des vrais frères. Quoi, vas-y. Ah bah en parlant de ça, c'est quoi votre actrice préférée? Jenna Veve Jolie. C'est une petite mexicaine, c'est juste une petite bombe. Moi je kiffe ma race. Ben moi je connais pas son nom, mais là c'est boule. T'inquiète, on doit sûrement la connaître aussi. Moi j'ai la petite Riley là avec ses yeux verts, quand elle fait ses choses avec sa bouche. T'as pas le enlever ses yeux, hein. Ouais, ses yeux ils sont plus bas, hein. Ouais. Bon les gars c'est pas tout, mais je pense que faudrait peut-être qu'on l'allume notre feu, il faudrait qu'on arrête de glander un peu je pense. Ouais mais faut aller chercher du bois, y a pas assez de bois. Ouais, donc il faut qu'on se bouge nos fesses. Ouais, c'est parti. Allez. Oh.
Qui es-tu ? Je constate que tu es un être vulnérable. Ton corps de sang et de chair te rend fragile, instable, cassable. Dorénavant, ta vie est à moi. Je vais fusionner avec ton corps, ton esprit, ton âme et tout ce qui te rend vivant. Tant que je serai aux commandes de ce corps humain, tu seras l'être humain le plus puissant de ce monde. La mort ne sera plus un problème. Le chemin de l'immortalité sera ton avenir. Sens-tu toute cette puissance qui pénètre en toi ? Est-ce que c'est Kane que j'aperçois ? Non. Est-ce possible que Ivy soit aussi là, ici, sur cette terre ? D'accord. Oh Jimmy, tu foutais quoi ? Ça fait 20 minutes qu'on t'attend, mon gars. Mais c'est quoi cette tête ? Trop bizarre. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pitoyable humain. Ce monde, la planète Terre, une race qui se autodétruit. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Jimmy, qu'est-ce que tu fous ? Je comprends mieux maintenant. Jimmy ! Il a voulu Arrête la protéger de nous. Qu'est-ce que tu fous, mec ? Nous, les ombrés, je n'avais pas ressenti oh, putain, tu m'as toute tué cette colère, toute cette haine. Putain, Jimmy ! Qu'est-ce que t'as foutu, putain ? Tu oses mettre tes Arrête mains sur un dieu ? Jimmy ! Jimmy ! Jimmy ? Bartok ! Qu'est-ce qu'il y a eu ici ? Enlève ta veste. Prends ce couteau. Tue-toi ! Jimmy, je sens que je vais prendre plaisir à détruire tout ce qui s'opposera à moi. Ton nom sera dorénavant Mardok.